Hello tout le monde! Alors aujourd'hui nous allons faire des gâteaux. Donc je vous conseille de préchauffer votre four à 180 degrés. Tout le temps que vous le préparez sera plus pratique. Donc il vous faut 100 g de chocolat noir ou praliné comme moi. Personnellement j'ai pris du chocolat praliné. Donc voilà. Environ 100 g, vous pouvez mettre plus. Il vous faut 75 g de beurre. 75 g de sucre en poudre, 50 g de farine. Donc vous faites d'abord fondre le chocolat avec le beurre, donc au bain-marie. Voilà. Ensuite, vous mettez dans un saladier d'abord votre sucre. Ensuite, pour que ce soit plus facile et que les œufs se barrent pas n'importe où, vous pouvez faire un petit trou au milieu. Pratique. Et ensuite vous mettez vos deux œufs que vous aurez d'abord sortis. C'est plus pratique. Voilà. Et ensuite vous tournez le tout jusqu'à ce que ça devienne blanc. Donc plutôt long, enfin environ 5 minutes. Donc normalement si vous le mélangez bien, ça devrait blanchir. Donc là, on voit ma mère qui m'aide, donc c'est pas du tout le même rythme. Donc voilà, c'est un exemple de comment vous devez faire. Donc voilà, normalement après ça donne ça, donc on voit très clairement que ça a blanchi. Un petit conseil pour bien faire fondre, étant donné que le chocolat c'est le plus long à fondre au bain-marie, mettez-le au fond, comme ça il fondra plus vite. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez ajouter votre farine petit à petit. Donc moi, étant donné que j'étais qu'à une seule main, c'était assez chaud. Donc vous qui avez deux mains, faites-le vraiment petit à petit, parce que sinon vous risquez de faire des grumeaux et c'est pas spécialement bon. Enfin, c'est pas une question de bon, c'est plutôt esthétique. Donc voilà, vous faites ça petit à petit. Voilà, donc évidemment la vidéo a été accélérée. Hein. Donc n'oubliez pas de vous occuper de votre chocolat avec le beurre en même temps. Donc une fois bien fondu, mélangez un peu pour que ça se fonde beaucoup plus vite. Donc étant donné que moi j'ai pris du praliné, le chocolat fondait un peu moins bien. Le chocolat noir, c'est sûr, c'est plus pratique pour la cuisine. Parce que voilà, il restait des dépôts alors que c'était bien fondu quand même. Donc ensuite, si vous utilisez comme moi le micro-ondes au lieu du four, ne préchauffez pas le micro-ondes, de toute façon c'est pas possible. Rajoutez juste environ 5 minutes de plus au temps de cuisson normal. Voilà, donc on a notre chocolat, qui est à peu près onctueux, hein, même s'il y a quelques morceaux, mais ça c'est pas ma faute. Donc on va le rajouter dans la préparation. Donc si possible, petit à petit, mais moi je pouvais pas. Donc j'ai tout mis d'une traite. Mais c'est plus pratique de mettre petit à petit. Là, on voit les morceaux, donc c'est pas terrible. Voilà. Donc pour ne rien perdre, vous pouvez utiliser une petite spatule et enlever le reste de chocolat. Voilà. Pour vraiment tout garder. Surtout pratique pour la pâte, quand vous mettrez la pâte des cupcakes dans le moule, voilà, pour éviter d'en perdre. Voilà, puis c'est moins dur à laver après. Voilà. Après, comme d'habitude, vous tournez jusqu'à ce que ça fasse un résultat bien opaque. Que tout soit bien mélangé, bien parfait. Donc il n'y a pas beaucoup beaucoup à mélanger là pour le coup. Voilà. Donc cette fois-ci, pour mettre dans le moule, surtout ne mettez pas tout en haut parce que le cupcake va monter. Donc mettez-en environ jusqu'aux trois quarts. Comme ça laisse un peu de marche
un peu de marge, surtout si parce qu'en fait mon moule n'est pas adapté, c'est pas un moule pour cupcake à la base. Donc moi ce sera des gros cupcakes et je ne pourrai pas le mettre dans des petits machins tout mignons. Donc voilà, là on va normalement, voilà, on va voir jusqu'où ça va s'arrêter. Voilà, donc environ les trois quarts grosso modo. Donc comme je le disais, moi c'est pas des moules pour cupcake à la base, donc évidemment ça fait pas la même chose, mais surtout si vous avez des vrais moules à cupcake, ne le remplissez pas à fond, parce que comme c'est plus petit, bah ça va regonfler et monter quoi. Faut éviter que ça coule. Donc voilà, il y a ma mère à côté qui nettoie. Donc après, voilà, c'est là où je vous disais que la spatule va être très importante et plutôt utile. C'est pour mettre surtout dans le dernier. Donc voilà. Donc mettez à 180 degrés, voilà, pendant environ 20 minutes, plus ou moins selon la taille de votre moule, étant donné que ça cuit très vite. Donc voilà, maintenant pour le glaçage, vous avez besoin de 2 petits suisses et de 15 g de sucre glace. Donc voilà, vous mettez vos 2 petits suisses et vous rajoutez le sucre glace dessus. Pourquoi du sucre glace et pas du sucre en poudre? Parce que le sucre glace se fige une fois humidifié. Donc voilà, ensuite, je ne veux pas avoir trop à vous apprendre ça, vous mélangez les deux. Donc une fois que vos cupcakes sont cuits, donc vous les sortez. Voilà. Et vous essayez après de les napper, sachant que ça aura quand même rabaissé après. Voilà, une fois froid, ou au moins tiède, sinon vous allez complètement casser votre cupcake. Voilà, donc vous essayez de napper ça correctement, pas comme moi. Donc avec une spatule le plus flexible possible, ce sera le plus pratique. Donc voilà, nos cupcakes bien glacés, voilà, tout beau, enfin presque. Ensuite, il va falloir faire fondre le chocolat au café. Donc moi j'ai fait ça au micro-ondes, mais j'aurais dû refaire au bain-marie comme j'avais fait tout à l'heure pour le chocolat. Voilà, donc je trouvais ça beaucoup trop dur, donc je l'ai remis une deuxième fois au micro-ondes, j'ai énormément galéré, donc voilà. On voit que c'est pas du tout pratique. Ensuite vous allez essayer de faire votre bonhomme, donc d'abord un œil. Enfin il faut deux yeux à la base. Donc voilà, vous formez vos deux petits yeux. Donc le premier n'est jamais très réussi, hein, faut pas m'en vouloir. Surtout qu'en fait le glaçage n'était pas bien, ne tenait pas bien. Donc d'ailleurs je vous conseille pas d'utiliser le glaçage que j'ai utilisé. Utilisez plutôt un glaçage avec du lait, du sucre et de l'eau je crois. Et vous regarderez sur internet, parce que le glaçage que j'ai fait en fait c'est bon, mais ça durcit pas assez vite. Après je sais pas si celui au lait durcit plus vite que ça. Donc en plus c'est assez dur de sculpter avec avec du chocolat. Donc voilà, j'ai dû aller le réchauffer. Voilà, c'était l'aventure, j'ai mis énormément de difficultés à pouvoir le faire. Donc après, c'est ma baguette qui a attrapé un bout de cupcake. Voilà, donc en fait, surtout ne le remettez pas trop au micro-ondes si vous faites comme moi, parce qu'en fait ça le recuit. Du coup ça le durcit encore plus. Donc là on voit le gros morceau qui m'embête. Sachant qu'après, s'il fallait juste faire un sourire, ça irait. Mais il va falloir faire les tizi-gui-gui, là, les dents. Donc c'est assez chaud. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai utilisé une baguette et je vous conseille de faire de même, sauf si vous avez vraiment l'ustensile fait pour. Parce que avec la baguette c'est plus pratique pour viser. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est assez dur. Parce qu'en fait le glaçage ne tient pas du tout. Il glisse. Donc en fait mon chocolat ne tenait pas dessus. Donc c'était mignon. Parce que ça me faisait des gros pâtés. Il y en a juste un que j'ai réussi, donc j'étais très fière. Voilà. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai mangé. Les autres ont été bouffés par mes amis. Ça avait l'air bon. Donc voilà, mes petits cupcakes tout finis. Donc, bon. On va dire que pour une première, c'est pas trop mal, mais bon. J'aurais dû faire au bain-marie, franchement, j'ai regretté. Voilà. Donc, c'était la recette pour des cupcakes Monsieur Jack. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et à la prochaine pour une autre vidéo d'Event Halloween. Bye bye! Et bonne dégustation surtout! Kiss me!
Ah, et n'hésite pas à partager la recette sur les réseaux sociaux si jamais tu l'as appréciée. Allez, passez un bon Halloween!